nous dire, vous êtes Kabil. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc on va vous présenter plein de produits. Ouais. Donc des produits de maquillage et pour la peau et tout, et des habits. Donc on va commencer par Zafoul qui nous a envoyé quelques produits. Oui, il y a des maillots de bain je crois et des petits hauts. On n'a pas reçu grand chose parce qu'il y avait plein de trucs qui étaient en rupture de stock. Donc on vous recommande vraiment le site parce que c'est vraiment peu cher. C'est de la bonne qualité. Pour ce que c'est. Déjà on reçoit dans des pochettes individuelles comme ça. Oui. Et vous avez marqué la taille sur l'emballage. Donc là on avait pris toutes les deux le même maillot de bain. Oui, moi j'ai pas le bas. Il est bleu, j'ai dû le ranger le bas. Ouais, j'adore la couleur. Voilà, ben c'est le même, donc le haut, c'est un haut triangle. Avec juste une petite... la bretelle et les lunettes. Et la culotte par contre j'ai l'impression qu'elle est immense moi. C'est ouais, vraiment... moi je l'ai essayé, elle est grande. Ah ouais, je crois que c'est. Bah en fait, non, en fait elle me va, mais genre. Non, en fait ça va. Mais genre de, en bas, en fait, je sais pas si vous voyez, c'est hyper large. Du coup là ça baille et c'est pas beau. Du coup c'est pas assez serré quoi. Mais sinon là on dirait que c'est hyper grand et tout, mais non ça va et c'est pas la taille haute. Ah ouais, je pense que je vais mettre juste le haut avec un haut noir, comme ça. Un haut noir. Tu mets le haut avec un haut noir Avec un bas noir. Je mets deux hauts en fait. Bon, moi ça va être un maillot donc il me plaît. Tu l'as pris jaune? En fait, je sais pas, brune ça va bien jaune. Brune ça va bien brun, jaune. Je sais pas. Regarde. mais en fait j'aime pas trop le maillot comme il est, mais olé olé quoi. Ah oui d'accord. Donc le bas, bon là il paraît hyper grand parce qu'en fait vous pouvez le resserrer avec des... Tenez ça ne brille pas. Vous pouvez le resserrer sur les côtés avec des... en faisant des nœuds quoi. Oula il paraît hyper jaune fluo. Mais du coup le bas il est comme ça. Et le haut donc, bon j'ai pas fait le nœud mais il est comme ça quoi. C'est un haut en forme de... Ah oui ok d'accord, faut faire le nœud ce chiffre quoi. Donc le nœud il faut le resserrer au milieu bien sûr parce que là... C'est un peu là, c'est un peu les... Et après ça s'accroche autour du cou et derrière. Mais sinon non regarde quand t'es bronzé. Ouais. Moi du coup j'ai commandé un maillot de bain, une pièce, donc du coup c'est... Une pièce. Ouais, enfin il est décolleté dans le dos et sur les côtés, sauf que ben, il est tout petit en fait. Il est minuscule, je pense que... trop petit. Je pense que j'ai pris trop petit. Il se transparent. Ouais mais c'est le ventre. Toi c'est les fesses hein, mais bon c'est pas grave. Ah bah c'est les fesses. C'est le ventre. Mais tant pis. Voilà. Il va pas. Tant pis. Tu vas prendre quelle taille? Prenez... En fait il y a des mailles, il faudrait prendre une taille au-dessus et d'autres il faudrait prendre sa taille. Ouais, quoi. Il est trop beau le bas. Pour ça je l'ai essayé, il me va nickel, donc ça c'est... Bah un bas noir tout basique avec sur les côtés vous avez des... Des ficelles. C'est comme ça, c'est trop beau. Et le maillot il me va nickel donc la taille je pense que c'est du M. S, non S. Du coup j'ai pris ma taille normale pour celui-là. Et le haut c'est des petits... Non, c'est des petits... Palmier. Palmier, merci, j'avais un trou. Du coup voilà, c'est un maillot tout simple triangle et qui s'accroche dans le dos avec des petits trucs. Et d'ailleurs sur chaque... quand vous recevez les produits vous avez l'étiquette. Mais allez voir la vidéo playlist quand elle sortira, on porte tous les deux Léo. Oui. Donc ils sont trop bien, moi j'en ai mis un dimanche pour sortir. Et on les a mis pour la fin. Et ils sont trop bien, ils sont hyper agréables. En fait c'est des hauts triangles on va dire, et derrière en fait il faut faire un nœud pour les accrocher. Et c'est trop c'est beau. Léger et tout, c'est trop bien, c'est agréable. On a pris un noir, un rouge et un blanc. Et un blanc avec les bandes noires. Et c'est trop beau, c'est hyper agréable, c'est hyper léger, ça vous met de saleté. Hop. Pas chaud. Ouais. Après donc il y a un petit débardeur comme ça. Enfin c'était pas un débardeur. Caraco, non je sais pas. Caraco c'est quoi ça? Du coup c'est un haut blanc tout simple, il est un peu épais. C'est un petit débardeur avec des boutons au milieu. Bon là, on dirait qu'il est hyper large mais il est serré et tout, il est près du corps, c'est un débardeur tout simple quoi. Léger. Mais il est trop beau, il a des petits boutons. Mais il s'ouvre donc c'est le principe des boutons. Là. J'ai l'impression d'avoir un problème avec les cheveux tirés. Ah oui, je veux dire que c'est moi. One Piece. Du coup, Christina elle avait déjà reçu une combi et moi j'étais un peu jalouse. Et donc du coup j'en ai eu une de combi One Piece. Alors elle est trop bien. Toi tu l'avais prise en XS et elle est trop grande. Et moi je l'ai prise en XXS et elle me va nickel. Parce qu'en fait, la taille elle va nickel. Les en fait. Tailles elles font hommes et femmes. Parfait. Donc, parfait au niveau des manches. Elle va nickel. Ouais, parfait. Donc, et au niveau des jambes aussi. Si vous êtes une fille, vous êtes pas très grande et tout, faut XXS. Je sais pas s'il y a triple XS. Pas mal. Bouchot. Oh là là, c'est trop bien. J'ai l'impression d'être. Bah, je sais pas. C'est à l'aise. C'est à l'aise, blesse quoi. Et c'est vraiment trop agréable. Donc, ensuite, moi j'ai deux bougies à vous présenter. Donc, il y en a une que j'ai pas sur moi dans le salon. Donc, c'est des bougies de la marque My Jolie Candle. Donc, je vous en ai parlé dans la vidéo juste avant. Donc, en fait, c'est des bougies qui contiennent un bijou à l'intérieur. Des donc, bougies vous avez... qui contiennent un bijou. Pas des bijoux qui contiennent un bijou. J'ai dit ça. Oui. Donc, ça peut être soit des boucles d'oreilles, soit des bracelets, soit un collier, soit une bague. Oui. Donc vous avez le choix sur le site, hein, quand vous choisissez la bougie, voilà, vous pouvez choisir le bijou que vous voulez avec. Ouais. Donc ce sont des bijoux en argent et cristaux Swarovski, donc voilà, donc c'est de la hyper bonne qualité. La bougie coûte, il me semble, dans les 30-35 euros je crois. Donc quand vous allez faire fondre la bougie et que vous allez atteindre votre bijou, vous allez avoir, bon elles y sont pas toutes, mais un petit sachet où dedans, ah ben j'ai encore là, un petit sachet où dedans il y aura le bijou et il y aura un petit code. Le code vous allez le rentrer sur le site, donc sur le site t'as un endroit, il y a marqué valeur bijou je crois que c'est. Vous entrez le code que vous avez sur le papier et ça vous sort tout de suite le prix du bijou. Ouais. Donc par exemple,
pour une bijou, pour une, une bague. Ça se ressemble trop, les noms. Une bague. Non, pour une bougie à 35 €, j'ai une bague dedans qui en valait 100. Donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, elle avait une noue, elle avait un bracelet. J'ai choisi le bracelet. Du coup, j'avais celle au chamallow, donc elle est dans le salon, donc je l'ai pas sur moi, elles sont super, super, super beaux. Donc je crois que dans le chamallow, j'avais un collier. Donc j'ai reçu un collier qui était trop beau. Ouais. Et donc là, j'espère que ça va pas faire tomber le téléphone. Ouais, j'ai pris celle à la fleur de coton. Ça sent trop bon, ça sent le linge propre, ça sent trop ah bon, ouais, j'adore. Et donc dans cette bougie, il y avait une bague. Donc je vais vous la montrer, je l'ai sur moi. Elle est trop belle. Et en plus, c'est assorti à, enfin, c'est assorti à la bougie. Je sais pas si mon doigt est un peu dégueu. C'est trop beau. Donc c'est une bougie. Une... Putain! Une bague, une bague, désolé! On est fatigué, on est fatigué. C'est mardi soir. Il est 23h. Fatigué. Du coup, c'est une bague bleue. Et donc cette bague, je l'allais voir sur le site, elle coûte 50 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Qu'on recommande vraiment cette marque. On kiffe. Et on vous mettra notre code promo dans la barre d'infos. Alors, de la marque SLA. Donc on a déjà reçu plein de produits de cette marque. Et moi, j'adore ce Moi aussi, j'aime trop. C'est trop trop bien. C'est. Attends, je vais rentrer. Et là, j'ai reçu un rouge à lèvres. Donc j'ai pris la en teinte rouge. J'ai trop parlé, je suis essoufflée, j'en ai bavé. Et il se présente comme ça. Je sais pas comment expliquer Bordeaux. La couleur. Non. Brique. On dirait plutôt brique. On dirait brique. J'ai essayé tout à l'heure, il est facile l'application. On ne sait pas si il est sur les lèvres. Sur les trémoulins. Pas packaging. Très simple. Ensuite, donc j'ai un pot. Un élan pot. Donc là c'est un masque de la marque Garnier, donc c'est leur nouveau produit. Je crois que, attends, il y a la pub quelque part. Je crois que la pub elle est sur YouTube, je l'ai vu sur YouTube, je sais pas si elle passe à la télé. Donc c'est Garnier Fructis, donc c'est des masques, donc ils ont sorti une gamme de masques. Moi j'ai pris pour cheveux colorés. Puis j'ai encore des points de couleur. Éclat, Air Food, Goji. Obey Goji je pense que c'est ça. Oui, ça doit être ça. Donc vegan, 80% dermatologiquement, huile végétale, sans silicone, sans parabène, sans colorant. Et ben, parabène. Parabène. Sans colorant artificiel, donc le pot il est énorme. Je crois qu'on s'en rend pas compte là. Ça sent trop bon. Ouais. À chaque fois j'en ai le bon. Oh, ça sent le chewing-gum. Ça sent trop bon. Ah ouais, c'est vrai. Les fruits rouges, ça sent trop trop bon. Ah, ça sent trop bon. T'as envie de me foutre la langue dedans, non? Arrête. Attends, j'ai une goûter. Viens, goûte. C'est vrai? Oui. Ça a le goût? C'est bon. Ça a le goût? Ouais, mais ça a un peu le goût de savon. Mais sinon, ça va, c'est bon. J'ai fait des bulles qu'on vous recommande. Vraiment. Mais c'est bon, hein? Ça goûte un truc que je connais. Mais moi aussi. Non, mais c'est ça, le goût des yaourts où tu me foutais la paille dedans avant là. Oh oui, les yoblés. Oui, 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 je connais. Oui, c'est ça. Donc, ensuite, le temps qu'elle cherche, on a deux produits de la marque de Body Shop. Donc, c'est une marque qu'on aime vraiment trop. Trois produits, parce que moi j'en ai un aussi. Un anti-cerne, ça peut être réglé chez moi. Donc, là, c'est un masque de nuit. Masque de nuit hydratant enrichi en cellules. La texture gemme crêle, élastique et rafraîchissante. Hydrate intensément pour une peau visiblement plus jeune. Appliquez chaque soir sur une peau nettoyée à la fin de votre routine. Laissez agir et éviter le contour des yeux. Et c'est trop agréable à appliquer, on dirait de la crème fouettée. Ça ressemble à ça. C'est très gélatineux. Mais c'est hyper agréable à appliquer, ça rafraîchit hyper la peau. Donc c'est super quoi. Et donc avec, on a le masque pour le contour des yeux. On gèle pour les yeux et éviter tout contact direct avec les yeux. Donc voilà, c'est le même mais en petit. Mais ça, c'est plus en texture gel. Enfin, ouais. Ah oui, gel. Fais gaffe, pas tomber. Non mais ça tient, c'est de la gélatine on dirait. Donc c'est hyper agréable à appliquer et tout ça, ça rafraîchit hyper. On vous recommande. Ne faites pas tomber par terre, c'est fragile. C'est en verre. On a reçu deux pommes pour le corps, je sais pas comment ça s'appelle, des laits revitalisants pour le corps de la marque Roger et Gallet. Donc moi j'ai reçu le même en orange rose à la fleur de figue, sauf que je l'ai oublié chez moi. Et les deux ils sentent super bons et ça hydrate bien le corps. Ça sent super bon, c'est hyper agréable au nez. Et de Roger Gallet aussi j'ai reçu une crème pour les mains avec un petit savon parfumé, donc pareil c'est chez moi parce que vu que je suis venue chez Christina comme ça j'ai pas tout pris. Et donc la crème pour les mains et donc ça sent le gingembre rouge, ça sent super bon, ça hydrate bien et donc du coup je l'ai tout le temps, enfin je m'en mets souvent dès que j'ai les mains sèches et tout. Non. Bah si. Oh putain. Je te jure. Un truc d'info. Bah oui. Et du coup le savon je m'en sers pour laver mes pinceaux parce que c'est trop bien. Ça sent bon. Alors j'aime bien. Mais non. J'ai donc le correcteur de chez The Body Shop. Donc il a une super bonne couvrance. Sauf que si j'ai pas pris ma teinte. Quoi? En train de gueuler. Mais ça c'est là. Je me réveille sinon je vais dormir. Du coup c'est un correcteur mat à l'argile. Donc en teinte 10. Et le truc voilà, c'est pas trop ma teinte. Mais il est hyper puissant. Il est en peau. Du coup comme ça, prenez le doigt. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder la barre d'infos pour retrouver les codes, les liens et tout ça. Sur nos réseaux sociaux parce qu'on va être active, on revient en force. Insta et tout. N'hésitez pas à on répond à tout le monde, on vous aime fort et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Dans une nouvelle bise, non mais n'importe quoi, ciao.